Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve accompagné de mon petit chat Twitch pour un petit case opening. On va dépenser 2700 balles dans cette vidéo. On va ouvrir toutes les caisses que j'aime bien et peut-être, pourquoi pas, et sûrement aller faire de l'upgrade juste après. Et on est parti. Allez, on est sur K-Drop et j'ai déjà reset le seed pour optimiser nos chances de se mettre bien. On va faire le petit trajet habituel en commençant par 5 Royal Case. Alors avant ça, juste, j'ai 99... J'ai 99 852 dollars. Faut que je dépense 2700. Royal Case x 5. Pef, 60 dollars. Allez, on est avec le chat Twitch. Ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas ouvert de caisse après la vidéo, les 3 vidéos Road to Dragon Lore. Donc ça fait très longtemps. 33 dollars pour... J'ai rouvert sans faire exprès, je voulais voir, c'était 60 dollars, c'est pas rentable, mais c'est pas grave, on ouvre 5 supplémentaires et ça va être éclaté encore une fois. D'accord, ok. On enchaîne sur la Thunder Case, les gars. Là aussi, on va en ouvrir 5, c'est parti, 78 dollars. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de caisse et j'espère être chanceux aujourd'hui. Ça sera pas sur ce tirage-là, puisqu'on va avoir 43 dollars pour 78. Je vais pas en ouvrir plus de la Thunder. On va s'ouvrir de la Vision et on va les ouvrir deux par deux. C'est parti, allez. Alors, la Vision Case... Ouais, voilà, on commence, les gars. La Vision Case, les gars, c'est vraiment la case qui fait croquer les skins. Allez, on s'en ouvre deux autres. Fait croquer les squelettons ou les gants, là. Aïe, 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 on redescend d'un étage. Ok, on reviendra peut-être un peu plus tard dessus. Et la Fang, c'est pareil, hein. Des fois, il y a des dingueries dedans. On va en ouvrir deux pour 58 dollars. Après, je reset le site et j'en rouvre deux pour voir si la chance peut être proc ou pas. Pas pour ce premier tirage, en tout cas, là on est bien en déficit, hein. Ça fait bien plaisir, non. Allez. On a déjà un gros drop, je pense que ça rembourse un petit peu le déficit des caisses précédentes. Là c'est vraiment pas ça encore, vas-y on en ouvre une dernière, allez. Pour le site, mon frère il est en PLS aujourd'hui, il a pas envie que j'ouvre des caisses de manière optimale, et là, The Emperor, encore une fois. Aïe, 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 aïe. Tiens, il y a des petites caisses de l'opération encore en cours, même si je pense que elle sera potentiellement terminée au moment où vous verrez cette vidéo upload sur la chaîne. Petite caisse à 20 ici. On sait jamais, je sais que dans certaines caisses de cette opération, il y a des trucs sympas qui tombent des fois. Ok, là c'est pas le cas. On va tenter celle à 40 et celle à 70. Allez, une à 40 pour voir. Ok, chromatique aberration, c'est pas rentable. La hall à côté, j'aurais bien aimé. Hein. 13 dollars! En vrai, il y en a des chers là dans cette opération des caisses. D'habitude, ils mettent pas des caisses aussi chères. On va reset le seed et on va enchaîner avec la caisse à 70 balles. Allez. Oh là, holy shit! Et il avait le truc à 5000 à côté, ça vaut cher déjà. 476 balles, sa mère! 0,3% de chance de l'avoir, les gars. Ouais, il y avait les 5000 boulasses juste à côté, j'y ai cru. Imaginez, mais pourquoi ça me ramène sur le pass? C'est bon, je l'ai en entier le pass, mon ref. Eh, vas-y, on va se faire toutes les autres. 100 dollars, c'est parti. Oula. Le freeze, ça freeze. Encore un couteau, c'était 100 dollars, hein. Bon, il est éclaté, le knife. 471 balles. Et on ouvre la Galactus à 160 dollars, les gars. Si on drop deux dingueries sur les deux dernières caisses, c'est n'importe quoi. Ok, on redescend d'un étage. La Golden Koi, elle sera sûrement pas Factory New. 25 dollars, voilà, Battle Scared. Ok, je reset même pas le seed et j'ouvre celle à 300 balles. Je sais même pas ce qu'il y a dans les caisses, hein. J'ouvre ça comme ça, gros. J'en ai aucune idée et ça sera le print stream. Bon, normalement, c'est pas incroyable, ça dépend. Ouais, 55 balles, field tested, ça aurait été bien qu'il soit en meilleur état, mais bon, on va pas se plaindre, on a droppé des dingueries avant. Eh, je te vois à travers ton écran, tu vois plein de skins défiler dans la vidéo, et t'as envie d'en avoir un. Écoute, tu mérites, je t'en fais gagner un, le lien il est dans la description et en top commentaire épinglé, fonce participer. On va tous se les faire en vrai, je crois, je sais pas si j'ai assez, on verra, mais on va s'ouvrir la petite serpent ici, à 60 dollars, c'est parti. Ok, la player 2, en factory new, ah non, ça va être l'empereur, oh là là. Mais on drop tout le temps cette arme dans cette caisse serpent. J'ai jamais de chance dans la caisse serpent, c'est dommage. Ensuite, c'est là, Arrow Case. Peut-être les gants bleus à 680 dollars là. Et non, dommage. New Rider. Ça pique, hein. 118 dollars, ça picote le fiac. Après, on enchaîne sur la veste, du coup. Ok, bah j'aurais mieux fait de reset le site, peut-être. En tout cas, ça aurait rien changé. C'est le skin le moins cher de la caisse, je crois. 87 dollars. Et on enchaîne. La Vice, 236 dollars, les gars. Allez, c'est parti. Ah, le talon Doppler. Ça sera les gants Broken Fang. Wouah!
c'est vrai que le prix des skins a baissé, hein. Et on le voit bien, les gants, ils étaient à plus de 100$ avant, parce que j'ai droppé souvent, et il me semble que c'était plus de 100$. Hein. On n'a pas de chance, les gars, là. Hein. Allez, j'ouvre la blue shot sans reset, et j'ouvre la lore avec reset. Ah, les Shadow Tiger. On a les pires skins, là, dans les grosses caisses, les gars. Hein. On a les pires skins. 280 balles. C'était combien la caisse? C'était 315. Et du coup, il nous reste la lore case ici present. Et ça sera là l'or, mais ça sera pas en M9, ça sera en et c'est très bien, hein, 1350 balles, c'est très bien. La M9 aurait fait plaisir. Hein. Allez, c'est parti, 200$, let's go, et après il nous restera 45 balles, et waouh, c'est éclaté, elles sont factory new, même pas, il y en a qu'une, aïe aïe. Et vous voyez, la WAP néo noire, elle coûtait 50-55 balles quand j'ai fait le qui sera la meilleure streameuse, parce que c'est le skin que j'ai fait gagner dans la vidéo, je me rappelle du prix, là elle est à 37$, ouais. Les skins ont vraiment baissé les gars. Ok, ça fera des skins upgrade, et du coup, bon, on va ouvrir celle-là, et puis on se termine là-dessus, hein, pour le case opening les refs, hein, c'est parti. Ok, le voucheur à 15 balles pour 40 balles. Maintenant, on va upgrade tous les petits skins et on va faire des gros upgrades. On va se tenter des trucs. Peut-être me faire un inventaire full print stream, rose, noir et blanc comme à l'époque d'ailleurs. Vas-y, je laisse à droite pour le premier. Et bah, ça va être à gauche, ça commence bien. En plus, les deux refs dans le chat, ils me disent à gauche. J'aurais dû vous écouter. Je crois que je vais vous écouter aujourd'hui, les gars, pour les upgrades. Hein. D'habitude, je vous écoute pas parce que vous me donnez des calls de merde, mais... On va repartir sur du 1,5, histoire de pas faire les zigotos. Factory New, 500 balles, 32% de chance, droite ou gauche. Et là, je vais regarder... je vais demander à un gars au pif dans le chat, je vais demander à Fred. Droite ou gauche? Gauche, il m'a dit. Allez, c'est parti. Ah, ça passe ni l'un ni l'autre. Si, peut-être à droite, ça passait à droite. Ah les gars, en vrai on a une marge avant d'être en déficit, donc ça me dérange pas, même si j'aimerais bien gagner, tu vois, là on n'est pas bien. Je vais laisser à gauche. Oh c'est trop, ah si c'est bon ça passe, oh non ça passe pas. Ah wesh. Oh, faut qu'on se rattrape avec un x2 les gars, allez. Ça passe tout juste hein. Ça passe tout juste, on s'est même pas remboursé des trucs qu'on a fait avant les gars. Aïe aïe aïe, c'était gauche. Ah, vous m'aidez pas les gars, hein, vous m'aidez pas hein. Vous m'aidez pas, je vais écouter que William les gars. Alors là on est arrivé à un stat où j'ai 3098, donc on est toujours rentable. Mais pas top top tu vois. J'ai envie de me tenter un gros upgrade avec ça en 1,5. Et on va demander à William les gars hein. On est rendu au moment de la vidéo où ce que je fais c'est full débile hein. Droite maintenant il a dit. Et c'est droite, elle est partie très lentement la roulette là hein. Oh, ça met la pression hein. Ah bah, faut vous voulez jouer, on va jouer, hein. William! Droite ou gauche, mon ref? Et après, on va s'arrêter là-dessus s'il passe, parce que faut pas déconner non plus. Là, j'aurais dit à gauche MDR. Non, y a pas de j'aurais dit. Il faut être sûr. Vas-y, je t'écoute, je vais dire à gauche. Et ça passe à gauche. William, il a le flair, hein, le ref, hein. William, il a le flair. Il a, je crois, je sais pas, parce que je l'ai pas écouté au début, mais il a, je pense qu'il a, il a fait un sans faute, quasi, hein, dans le chat, là. En vrai, je pense qu'on repart... la tête haute là à la fin de cette vidéo les gars. Si vous avez aimé la vidéo en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Salut !